stand. Don't mention when we in Miami. Who knows what's happening? The sheets of Versace. Oh, fuck! No! Ah, toi! Ah! C'est fini pour toi! Je rêve, il y a un bateau là-bas. Faut que je la rattrape. Allez. C'est bon, il est enfin mort. Yes. Yes, yes, yes. Enfin, il est mort, cet enfoiré. L'enculé. Viens te battre en force. Attends, je vais rapprocher le bateau avec lui. Je vais aller me défoncer dans l'eau. À mort. Allez, vite, faut que je rattrape. Ça découle, viens ici. Ah, putain, le bateau il va trop vite, il y a trop de courant. Allez, je suis prêt. Attends, j'arrive, je vais te dépasser. Allez, je suis presque au bateau. Allez. Voilà, je vais venir vers lui. Hop, et on va se battre à mort. Oh, tiens, il y a un bateau là-bas aussi. On va se battre, moi, à mort. Ok, je vais aller voir vers le bateau là-bas que je vois au loin. Allez, viens, je suis ici. Ok, on va se battre en forêt. Viens t'apprendre pourquoi t'as fait ça, mon frère. T'es enfin bébé, après. Je vais te tuer, toi aussi, pour tout ce que tu m'as fait. Tiens, il est parti vers où? Ah, il est parti là-bas, je crois. Je crois l'avoir vu partir vers là-bas. C'est lui, là-bas? Putain. Ah, reviens ici, en forêt. Je vais te défendre. Putain. Il part où, là? Tiens. Je me demande où il part. Reviens ici, en forêt. T'as fini ton arrêt de mort. Faut que je me rapproche parce que sinon je peux pas tirer. Déjà que je le vois à peine dans le noir. Ah, il est là! Oh, putain! Allez, salut! Putain! Allez, je peux le faire! T'as fini ton arrêt de mort! Enfin! J'espère que ton bateau est en plein d'essence parce que t'en auras besoin, mon pote! Ouais, ouais, c'est ça! Tu vas voir! C'est de la faute de ton frère si je l'ai tué! T'aurais pas dû faire ça. C'est lui qui m'a trahi. Vous m'avez tous les deux trahi, en forêt. Heureusement que je l'ai gardé. Tiens, tiens, tiens. Allez. Putain. Il est parti où? Ah, il est là-bas. Ouais, ouais, ouais. Putain. Eh ben, casse mon bateau. Tiens, forêt. Je te lâcherai pas d'une semaine, l'enculé. J'espère que ton pistolet lui aussi il a plein de balles parce que je sais pas si tu vas vraiment utiliser. Allez, enfoiré! Oh putain, tiens! Tu m'auras pas si facilement en fait. Ouais, super! Tu vas crever! Toi et ton frère, vous étiez déjà des enfants! Toi et ton frère, vous étiez des futurs morts! Tu vas le rejoindre! Ouais, ouais, c'est toi qui vas le rejoindre, enfoiré! Forêt, tu vas crever. Je ne laisserai pas ma porte tous les souvenirs. Putain, je me demande où on va. C'est ça, en forêt. Tu vas mourir. Et en forêt, je n'ai pas fini avec toi. Ça, il est trop loin. J'arrive à peine à le voir. Oh. Alors. Oh non, mais dis pas que là-bas c'est lui où j'ai tué son frère quand même. Je crois que c'est celle-là. Eh oh! Enfoiré!
Il a vraiment explosé. Oh, il est proche du bateau. Ouais. Wow. Putain. Putain, je vois rien. Ah, sa mère. Putain. C'est quoi cette île? Oh non. C'est l'île où j'ai tué son frère. Et c'est l'île où j'ai connu celui que je veux tuer maintenant. Putain. Attends. Oh, oh oui, ici. Je m'en rappelle. Quand on voyait la sœur du gars. Ici, c'est l'emplacement où j'ai tué son frère. Putain. Et là-bas, le feu de camp. C'est là où je l'ai rencontré. Il s'est énervé contre moi car sa sœur, elle était assise là. Je l'ai tué. Ou sa cousine, je sais plus. Putain. Pourquoi je suis retournée sur cette île de malheur? C'est pas de ma faute, je suis comme ça. C'est tout le monde qui m'a trahi. Moi, j'avais rien fait au début. D'accord, je me suis évadée de prison, j'ai fait des choses mal. Mais je méritais pas de me faire trahir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Oh, il y a quelqu'un qui me tire dessus, là. Il y a quelqu'un qui me tire dessus. C'est fini pour toi, mec. Ah ouais. Arrête-toi. Prends-toi. Putain. Jamais je me rendrai. T'es sûr de toi? Putain. Ouvre ces grenades. T'es un garde à lui ou t'es vraiment le gars? À ton avis, pourquoi je vais te tuer? C'est ta faute, c'est toi qui m'as trahi. C'est toi qui as tué mon frère. Putain. Faut que j'aille me cacher. Regarde la hache que j'ai réservée pour toi. Exactement ce que t'as fait à mon frère. Faut que j'aille me cacher. Rien, on peut tirer dessus, j'ai un gilet pare-balles. Je vais aller me cacher ici. S'il ne me trouve pas, faudrait que je me trouve d'autres choses pour le battre. Je peux pas me battre comme ça. Je sais même pourquoi ça m'a fait. Putain. Salut. Approche-moi. Je vais te faire souffrir ce que t'as fait à mon frère. C'est ça, tu vas me planter comme lui? Je vais te planter, je vais te couper la tête. Je vais te démembrer. Mais mec, est-ce qu'on peut parler avant que tu me tues? Pourquoi non. Tu m'as fait allez, ça pas... C'est de la faute de ton frère. C'est pas lui qui m'a trahi. Pourquoi tu l'as tué? Mon arme, elle est là. Allez, viens. Allez. Je te ramène. Oh, la plaie, bouge-moi en bas. Là, je veux vraiment te tuer. Recule. 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 Ok, on se calme. On se calme. Oh ah. Tu m'en fais! Il est parti! Allez, collègue, non, non, non! Avance! Barre-toi! Non, là, c'est ma seule chance de te tuer! Il est où ce tapis-là? Oh non, je repense à mon père qui m'a dit de faire de mal à personne! Un conseil ne fait jamais de mal! Tu me le promets? Non. Oui, je te promets, papa, je ferai jamais de mal c'est à personne! Clair. C'est pas de ma faute, papa! C'est eux qui m'ont trahi, c'est d'enculé! Je peux plus, je laisse tomber, j'en peux plus, je suis exténuée, je suis crevée, j'ai faim, j'ai soif, j'ai mal, j'en peux plus de tout ça. Tout le monde me trahit, j'ai la pire vie au monde. Fais chier. Cul Eva, si je le retrouve, je lui laisserai même pas une chance de s'en sortir. Putain. Si je te retrouve, si tu m'entends, t'en as marre. Oh, je laisse tomber. Je vais aller me reposer, je vais me reposer, je vais trouver de quoi manger. Et dès que je le retrouverai, il sera mort. Allez. Oh. Oh. Putain, on dort mal. Oh. Attends, je rêve. Oh, il y a un hélico. Oh oh. Oui, j'avais pas vu, il y a un pistolet de détresse. Oh. Hop là. Allez, j'ai quelques balles. Monsieur ou madame?
Putain, il me reste que 2 balles. Allez. Et la dernière. Oh, oh putain, yes. Yes, yes, yes. Monsieur. Attention. Monsieur, oh, je suis coincé sur l'île. En plus, je suis blessé. Attendez, je vous ramène à l'hôpital. Oh, oh, merci, monsieur. Vous n'avez pas mangé pendant des jours, vous. Ah, ça fait 3 jours. Putain, j'ai des balles et tout, j'ai faim, j'ai soif. Bon, vous voulez que je vous raconte un peu ce qui s'est passé? Ok, on vous promet de ne dire à aucun flic. J'ai beaucoup de problèmes en ce moment. En fait, j'étais un ancien prisonnier où en fait j'avais fait un braquage. Donc je vous l'avoue, j'étais sorti de prison et tout. Et il y a un gars, il m'a trahi pendant le braquage. Ouais, ouais, ça, oui, oui, c'est ça, je l'ai plongé. Et en fait, il y a un gars, il m'a trahi, j'ai voulu le retrouver. Et en fait, ça fait espoir. Enfin, j'étais tellement énervée que j'ai tué, que je l'ai tué. Et sur l'île où vous m'avez rattrapé, et bah, il y avait son frère à celui que j'ai tué, mais je le savais pas. Et donc là, celui à qui j'ai tué son frère, il m'a encore trahi, et donc je veux le rattraper et le tuer, voilà. Je suis vraiment désolée de vous dire ça, monsieur, j'ai vraiment trahi. C'est... Je sais, c'est horrible. Oui, je sais, je suis désolée, monsieur. Mais vous êtes pas un flic comme moi. Non, je suis pas un flic. Je vous ferai rien, vous inquiétez pas. Hein. Je veux juste qu'on m'aide. Vous voulez que je vous attende en dehors de l'hôpital parce que j'ai une voiture. Si vous voulez. Par contre, faut que je trouve un bébé. Excusez-moi, il est là. Vas-y. Donc, hein, monsieur. Gentil de votre part. Sans vous, je crois que je serais encore coincé sur cette île en train de flipper et d'avoir froid. Il n'y a pas de quoi. Je me sens vraiment pas bien. Je sais pas quand je sortirai. Au pire, revenez. Au pire, peut-être que le médecin vous dira dans combien de temps je pourrais revenir. Parce que je pense que je vais rester quelques jours là-bas. D'accord. Bon bah merci, hein, on se revoit quand je sors peut-être. Au revoir. Très bien. Au revoir. Oh pardon madame. Putain. Allez go. Go rentrer dans l'hôpital. Putain, enfin je vais me faire soigner. Allez go. Oh putain, ça fait 3 jours. Ah, wesh mec. Salut. Eh mec, merci d'avoir payé ma... Enfin d'avoir payé pour moi. Les, y a pas de problème. Parce que genre, vu que j'ai pas d'assurance et tout. Vas-y, ça fait plaisir. Je vais te dire un truc. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Tu vois ton pote que tu courses? Ouais. C'était mon ancien pote. Oh! Eh, t'es fait renfoncer! T'inquiète! Il n'a rien à faire! T'as un mytho, tu vas me tuer toi aussi! Il m'a trahi! Tout le monde me trahit! Quoi? Il m'a trahi! Il m'a trahi! Il t'a fait quoi alors? Je sais pas, je veux pas te faire confiance, mais dis-moi juste on si t'as fait. On devait faire un échange tous les deux, genre pour un braquage, tu vois. Je ah bah t'as quand même mieux en pote. Ah bah t'es le frère, hein. Putain, les deux ils sont comme ça. Moi aussi, son frère, celui qui t'a trahi, eh bah il m'a fait la même chose. Putain, tu m'as fait peur, mec. Je crois que toi aussi t'allais me buter ou je sais pas, t'étais un garde à lui. Bon, ça va. Bon bah, mec, si t'es un de ses anciens patrons ou je sais pas quoi, t'as une idée où il se trouve? Hein, t'as une idée donc c'était un de ces anciens gardes ouais, ou je sais pas quoi. Je sais où on va trouver. Vers l'autoroute. Okay. L'autoroute. T'as dit là. Ah oui, je la connais. C'est une villa de bâtard. Putain, c'est qu'il a du fric. Hein. Ah oui, qu'il a du fric. Hein. Il fait genre de rien, mais. Putain, mec. Mais mec, je suis dans la merde. J'ai pas d'armes, j'ai pas de tenue, je suis pas préparé pour ça. T'inquiète, j'ai un pote pour ah bon profil, tout ça, tout ce que tu voudras. Celui-là là. Il est juste à côté. Ouais, juste ah ici. Ouais. Putain, il va mec. Donner les tenues. Ouais. Et tu vas comment dire t'habiller. Tu vois le petit truc là, ouais. Là-bas là. Mm. Là-bas. Et bah tu vas t'habiller là-bas. Okay. Tu vas prendre tout ce que tu voudras. Bonjour monsieur. Vas-y, je te laisse. Hein. Oh yes, il y a des tenues partout. Bon bah vas-y, bah on se retrouve après hein. Ouais, vas-y à tout. Je vais prendre tout ce qu'il me faut. Allez, bah voilà, je suis mieux comme ça. Et un mec. Ouais. Regarde, franchement, on n'est pas bien avec ma nouvelle arme et tout là. Ah, ouais, putain, ton pote, il m'a gâté, hein.
En plus, il m'a tout fait gratuit, c'est normal. Oh, moi, c'est normal, c'est moi qui lui ai dit. Putain, bah merci, non, mec. Hein. C'est pas gratuit, mais en tout, c'est 50 000 $. Donc, je te remercie, moi. Ah bah si, mais hein, franchement sans toi je sais pas ce que j'aurais fait. Vas-y, on y va. Ouais. Allez, je vais enfin me venger. Au moins je vengerai pour toi vu que toi aussi t'as trahi. Ce qui compte. Ouais. Enfin, mec, j'espère je suis désolé, pas mourir je là-bas. Avec toi, parce que moi, comment dire que. J'ai juste peur de mourir. Avec... Mais bon. J'espère que je m'en sors. Écoute, t'as juste à être discret, ne pas te faire repérer, c'est tout. Ne stresse pas. Ouais, aussi. Pas Si tu stresses, voilà quoi. Ouais, je suis dans la merde quoi. Ouais. Bon, allez, c'est parti pour la route. Ouais, let's go. Pour ta caisse que je prendrai au cas où. Ciao. Bon. Alors, voyons voir. Oh, un carte. Putain. Est-ce qu'il a une maison de papa? Vous voyez? Vous voyez rien? Toc. Hop là. Voilà. Plus de garde, enfoiré là. Bon. Alors, voyons voir. Je vais aller voir s'il y a un truc dans la voiture. Là, y a rien. Y a pas l'air d'avoir, hein. Mais putain, c'est teinté, c'est ça le problème. Et vu que les vitres sont teintées, je vois rien. Chier. Y a pas l'air d'avoir grand chose. Bon, je vais continuer. Il a vraiment une maison de bâtard, lui, hein. Quand je pense qu'il faisait le clochard avec moi, il me dit ouais, viens, on prend à manger, je sais pas quoi là. Il est foutu de ma gueule, hein. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres gardes dans cette baraque, hein. Oh putain, il m'a fait peur, lui. Bon, lui, je vais pas le buter. Il est en bas, alors il va rien me faire. Je vais aller voir là-bas. Putain, ça me rend malade, ça. Cet enfoiré mérite même pas tout ça. Ah, il doit être vers la piscine là-bas. Oh, il a une énorme piscine. C'est vraiment un enfoiré. Je vais aller voir... Mais il n'est pas vers là-bas. Oh, aïe aïe, c'est la belle vie. Oh, alors lui. Elle est là-bas. Oh. Quoi? Ah, il m'a pas entendu. Coucou. Voilà, enfoiré. Ah, comment ça va? Ça va, mec? Alors. Oh, aïe. Oh, oh, oh putain. Oh, oh non. Alors toi. Si je me trompe pas, c'est lui. C'est lui ou c'est pas lui là-bas? Je crois avoir vu son véhicule. Mais du coup, vous bougez. Ne pas passer. Comment il a fait pour me retrouver encore? C'est pas son problème. Help!
t'avais dit que je te lâcherai pas. Ah, putain, j'arrive plus à tirer. Ah, j'ai du mal. Ah, putain, lui aussi, il tire. À la vie, à la mort, en forêt. Putain. Moi, je vais arriver. Ouais. Oh, putain. Ouais. Merde. Il est là-bas, vite. Forêt. Allez, je peux le faire. Je vais crever une roue, je vais lui en crever deux, puis trois, puis quatre, et après c'est la mort. Putain de merde. Ah tiens, le Santos. Oh merde. Je continue de l'enfant ici. Non merde, dis-moi qu'il est passé sur la route. Tiens. Alors toi. Ah, le Santos, ça me rappelle quand ton frère m'a trahi au braquage, connard. Et là, maintenant, tu veux quoi? Ouais, parce que toi aussi, tu m'as trahi comme ton frère. Oh, c'est de la vengeance. C'est de la faute de ton frère. Tu le comprends pas, c'est de la faute de ton frère. C'est pas... Si, parce que tu m'as quand même trahi. Hop là. Je m'en bats les couilles. Il est parti où? Je continue tout droit vers la route. Allez, je peux le faire. Ouais. C'est lui là-bas ou... Putain. Allez, je roule à fond. Je roule à fond. Ouais. Allez. Jamais appris en conduire, hein. Wow. Il est où? Ah, il est là. Oh putain, j'ai du mal à conduire. Ouais. Bouge. Laisse-moi tranquille. Non, je te laisserai pas. Ouais. Wow. Il va où? Il est parti. Ah, il est là. Alors toi, s'il le faut, on va crever ensemble. Ah, il veut qu'on se batte sur le toit, ok, pas de problème. Je vais atterrir en haut. Voilà. Putain, on va mourir. Allez, je vais prendre la mitraillette. Voilà, la mitraillette qu'on m'a donnée. C'est parti pour se battre, à la vie, à la mort. Il est où? Putain. Alors quoi? Ok, il faut qu'on se batte au pistolet. Je vais me cacher. C'est vraiment pour rien. Si je l'aurais pas tué, on n'en serait pas là. Et toi, si tu m'avais pas trahi, si ton frère m'avait pas trahi, on n'en serait pas là. Donc dis ça plutôt à ton frère, qui a mérité de mourir. Tu comprends ça, il l'a mérité. Il méritait pas de vivre. Aïe. Putain, heureusement que j'ai agi les paroles, mais quand même. Tu vas crever. Toi aussi. Tu vas mourir. C'est plutôt toi qui vas crever. Ça fait mal. Finir en point maintenant. Mais avant,
Bon, je vais aller reprendre des forces et on va se finir en point, t'as compris? Oh, quel connard! On va se finir! Et puis c'est tout! C'est tout ce que tu mérites! Mais on finit sans point! C'est parce que t'as tué mon frère! C'est ta faute! Je suis désolé, papa! Je te promets, papa. Il m'a dit de jamais faire du mal, mais c'est de votre faute! Je vais te finir pour tout ce que tu m'as fait. T'as compris ça? Et toi? Adieu. Hey, crève. Je suis vraiment un monstre. Mais il m'avait trahi, c'est pas de ma faute. Ça l'apprendra. Tout ça, c'est de la faute de son frère et de lui. C'est tout. D'accord, j'ai fait du mal en braquant. Mais j'aurais jamais fait tout ça si on m'avait jamais trahi. Maintenant, je lâche mon arme. Et je le jure que j'arrête tout ça, la criminalité. Je veux juste passer le restant de mes jours, si j'en ai une, avec une femme et tout. C'est tout, je veux. Je veux plus rien de tout ça, moi je me barre. Mais j'arrête tout ça, allez go. C'est fini tout ça, maintenant que je l'ai enfin battu, je me barre, allez go. Je prends l'ascenseur et c'est ces histoires de criminels, c'est fini. Adieu. Allez, je me barre. Putain, j'ai pas assuré sur ce coup-là. Ouais, merci. T'inquiète chérie, mais papa, je te donne mon vélo que tu m'as offert quand j'étais petit, je me rappelle. J'avais 13 ans, j'en voulais un BMX et tu me l'as offert pour que je joue. Et tu m'avais dit que je t'avais promis que je ferais pas n'importe quoi et j'ai tué des gens. Maintenant t'es mort et j'ai pas assumé en face de toi d'avoir tué des gens, d'avoir fait du mal. Or je suis vraiment désolée. Repose en paix, je suis vraiment désolée. Je te jure, maintenant je suis un homme meilleur. J'ai une femme, je vais bientôt avoir un enfant et je te promets que toute ma vie ce sera comme ça. C'est juste du un mauvais passé et ce sera fini. Repose en paix, mon père. Vas-y, tu viens, on y va. Putain, je m'en veux tellement. Je me demande comment tu peux être avec un homme comme moi. On peut tout savoir avec les hommes trans. Ouais, je sais, mais bon. Mais bon, maintenant que je vais avoir une petite fille, plus toi, ça me rassure toujours. Allez, c'est parti.